Et Alice de Lancin. Merci. On est. On est très haut, on présente à ce point, on est ravis bien évidemment de vous présenter le film. On est très proche de la sortie, donc je suis très angoissé, comme tout le monde sait, c'est un film. J'aime beaucoup ce film. Vous allez voir, c'est la particularité de Braqueur, c'était le postulat de départ. C'était de faire un polar sans flic. D'où, je pense que vous avez vu le trailer et les affiches Braqueur versus Dealer. C'est un film que j'ai voulu ultra réaliste, ultra intimiste, et très très proche des personnages. On a travaillé fort et je vous remercie, j'ai vu quelques têtes que je connais un petit peu. Évidemment mon équipe technique, mon distributeur, Chéri, que je fais chier depuis 3 semaines, et c'est pour la bonne cause. Mon partenaire, évidemment, Julien Manon, qui est, à mes yeux, le meilleur partenaire de Paris pour faire du film. En termes de comment on l'a produit et que c'est pas facile à produire ce genre de film, c'est pas évident. Je le dis sincèrement parce que je le pense en tant que spectateur. Au jour d'aujourd'hui, nous, on est dans une atmosphère un peu étrange suite aux attentats et tout ça. C'est nécessaire d'aller au cinéma. C'est bien qu'il y ait les Visiteurs 3 et Camping 3. Il faut qu'il y ait des gros moteurs comme ça, des grosses machines. Mais je pense que c'est nécessaire de soutenir et d'aller voir un film comme Braqueur pour qu'il y ait d'autres metteurs en scène et d'autres acteurs qui de perturber le genre. Et je sais que c'est pas évident. Et je sais qu'il y a des gens du cinéma qui sont là, qui sont de la net. Et en tout cas, voilà, je peux juste vous retranscrire le feedback des projections qu'on a fait en province et en banlieue. Et ce qui est génial pour moi, c'est que les gens adorent le film. On l'a conçu vraiment comme un roller coaster, un tour de montagne russe en 1h20. Je pense que vous allez vous en prendre plein les yeux et plein les oreilles. En tout cas, on a travaillé pour. Voilà, c'était. Et je voulais remercier aussi, je le dis à chaque fois, mais je voulais remercier Caris qui, en tant que député maire de Sevran, nous a amené la cité et on a réussi à faire des scènes d'action au cœur d'une cité, ce qui n'était pas facile, ce qui n'était pas évident en termes de production. Et ce que donne vraiment la réalité du film et l'énergie. Voilà.